Elle est craintive et je pense que si elle fait tout ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc je veux aider à trouver mes mots. Voilà. D'accord, ok. Je l'ai pris chez un propriétaire où elle avait été donnée à l'âge de 2 mois déjà. Donc elle a été récupérée, sous-alimentée. Donc j'ai fait voir par le vétérinaire qui a confirmé effectivement qu'elle n'était pas très bien. Voilà, et puis on l'a requinquée et on l'a gardée. Sa maman est labrador et son papa est malinois bosseron. C'est un beau mélange. Ah oui, complètement. Ouais. À la maison, ça se passe bien, super bien même quand on est là à la maison, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, c'est dès qu'on quitte la maison. Pourtant, elle vit avec un autre chien et 3 chats. Donc elle vit bien à l'intérieur de la maison, voilà. Mais dès qu'on s'absente, elle fait des trous dans les murs, elle nous dépiote le papier peint, elle nous mange les étagères. Si on laisse nos chaussures, elle nous les mange. Elle mange le fauteuil aussi, donc elle vide les poubelles, elle s'amuse, quoi. Elle fait sa petite vie. Pendant ton absence. Voilà, dès qu'on s'absente. Même 10 minutes, on a essayé 10 minutes de partir. Et il n'y a pas moyen, on revient, elle s'accache tout. J'ai eu l'impression de retrouver Aria dans plusieurs chiens que tu as aidés. Voilà, et j'ai trouvé la méthode un peu extraordinaire même, parce que ça n'existe pas. Voilà. T'as peur que je te présente Lexi ? Si. J'ai confiance dans le sens où je me dis que Dexy a l'habitude, donc voilà, mais j'angoisse parce que j'ai peur que Aria aboie comme une folle et veuille lui sauter dessus. Et qu'est-ce qui va se passer après? Mais en même temps, avec toutes les vidéos qu'on a vues et le travail que tu fais, on se dit on va prendre le risque parce que a priori ça marche bien, donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas marcher pour elle. Voilà. Bon, il paraît que tu détaches pas ton chien. Non, que dans la résidence fermée, parce que j'ai peur qu'elle se sauve et qu'elle ne veuille pas venir me retrouver. Je vois qu'elle angoisse, hein. Elle angoisse un petit peu quand même, non? Non, là c'est on y est, quoi. Voilà, c'est j'ai une lueur, quoi, voilà, d'espoir qui me
Je me dis, ça y est, on va toucher au but. Arrière, viens. Viens, Pépette. Viens. Je me dis, on va toucher au but. Et je me dis, à 95%, on va être positif, 95% que ça marche bien. Voilà. Mais je me garde un pourcentage parce que j'ai peur, parce que voilà, j'ai à la fois confiance et à la fois peur. T'imagines la scène quand je vais te demander, par exemple, qu'on va retirer la laisse ? Je sais pas. Je sais pas parce qu'elle peut partir par là-bas. Elle peut partir là-bas, il y a des voitures. Je sais pas. Je te propose de découvrir Dexy, la chaîne spécialisée, la chaîne thérapeute. Est-ce que tu es prête ? Ouais. Allez, c'est parti. Docteur !
pas quoi dire. Docteur, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la laisse? Là maintenant? De quoi? Là? Tout de suite? Là quoi? La laisse? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'elles s'attaquent mutuellement. Pourquoi? Parce que ça fait juste 10 minutes qu'on est là? Oui, en fait, ça fait peu de temps. Dexy, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la laisse? Oui? Voilà, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse. Ça veut dire qu'elle sent qu'elle n'est pas prête. Hein? C'est peut-être un peu trop tôt. Ouais. Il faut peut-être un peu plus de temps pour qu'elles communiquent toutes les deux avant. Et ben voilà, le résultat. Alors là, vous êtes en condition réelle. Non, ouais, de les voir là, toutes les deux, avancer. Côte à côte et se promener ensemble là, c'est je pensais pas ça que possible quoi. Du tout. Je trouve le mot. Inimaginable. Inimaginable. Voilà. Même en arrivant au tout début, là j'étais. Là je suis scotché. C'est vrai? Oui, scotché. Première fois qu'Aria elle est calme avec un chien, est lâchée. Qu'elle est lâchée en pleine nature, voilà, qui est plus est avec une chienne qu'elle connaît depuis moins d'une heure à peu près, et elle est tranquille, voilà, c'est bravo Méton Game, donc ouais, non c'est chapeau quoi, c'est et là, elle s'inquiète même plus de Dexy. Voilà, elle fait sa vie, sa petite vie. Là, je la sens détendue. D'accord. Voilà. Et je la sens tranquille, là. Elle n'essaye pas d'aller. C'est lui qui va venir la voir.
Non.